Vous êtes actuellement au sommet d'un volcan actif, dont le feu peut te brûler à tout moment. Et sois prudent. Tu dois être tombé maintenant. Ne me remercieras-tu pas? Pourquoi? Pourquoi? Tu devrais être reconnaissant. Je t'ai évité d'être puni. Est-ce que je t'ai sauvé? Pense. Pensez que si j'avais dit devant tout le monde ça, je te reconnais. C'est la même fille. Elle disait qu'elle m'aimait. Et même si elle pensait que je me mettrais en colère, sa respiration s'arrêtait. Et elle me suppliait. Kuram, Kuram, s'il te plaît, amène ta mère avec ma proposition. Dites-moi, que serait-il arrivé? Ton beau-père. Je t'aurais humilié et mis à la porte de la maison. Et il. Ton mari amant. Il n'aurait pas. J'ai eu tellement d'ennuis. Seulement, il n'aurait dit que trois mots. C'est ça. Eh bien, comme lui, te fais tellement confiance. Et quand la confiance se brise, alors il ne faut pas longtemps pour rompre la relation. Kuram, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Toutes ces choses appartenaient au passé. C'était l'époque où je n'avais pas beaucoup de sens. J'ai maintenant avancé dans la vie. Vous avez également avancé avec Samine. Oui, je vais avancer. J'avancerai. Mais je vais te faire. Te repousser. Je vais tellement te repousser. Comme si tu es retourné à l'âge de pierre. Non. Pourquoi pas? Dites-moi. Alla, j'ai tout décidé. Quoi qu'il m'est arrivé, cela t'arrivera. Les choses que j'ai dû supporter, tu les supporteras. Sans abri. Désespoir. Faim. Humiliation. Et la mort. La façon dont j'ai perdu ma mère. De la même manière, si vous. Voir ton enfant mourir. Alors, cela serait arrivé avec toi hier, si j'avais dit oui. D'un seul coup, ta tête se serait séparée de ton corps. Mais non. J'ai frappé le couteau seulement sur la moitié de ton cou. Je veux profiter de te voir agité et agitée.